ضرب الثلاث اطلع بسرعة Je veux vraiment qu'on arrive à réaliser la phrase que beaucoup d'Égyptiens disent. Lève ta tête haute, Égyptien. À mon avis, la révolution n'est pas encore tellement réussie et on ne peut pas avoir la tête élevée si on n'a pas commencé à changer en nous-mêmes. Bien sûr, pour avoir une bonne Égypte, il faut attendre. On ne peut pas vivre 30 ans dans l'ancien régime avec tout ce qu'il a de points négatifs. Et d'un seul coup, on veut que l'Égypte s'améliore. Il faut prendre du temps pour changer. Les adultes font la révolution sans penser aux petits. Ils font la révolution, ils font des grèves sans regarder si ça va influencer sur les petits ou pas qui veulent aller à l'école par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on a de religions différentes. Les musulmans peuvent vivre leur religion et les chrétiens aussi peuvent vivre leur religion sans avoir de problème. Je suis contre vous tous. Je ne vois pas que la révolution a réussi du tout parce qu'il continue à s'engueuler. Il y a beaucoup de criminels dans la rue, il y a beaucoup de crimes. Le seul point qui ne fait pas réussir la révolution, c'est que chacun marche avec ses propres intérêts. Moi, j'ai des idées religieuses, je vais imposer ça. Moi, j'ai des idées économiques, je vais imposer ça. Moi, j'ai d'autres idées, je vais imposer ça. Mais ils n'arrivent pas à travailler ensemble et c'est ça, à mon avis, qui ne fait pas réussir la révolution. كل واحد بدماغه لكن لو كلنا تجمعنا في نقطة واحدة هنقدر ننجح Je pense que ce qui manque à l'Égypte, c'est d'être aimé par les Égyptiens. Avant de penser à leur intérêt personnel, il faut qu'ils pensent à l'Égypte. Et s'ils ont un peu de sagesse, ils aiment l'Égypte. Ils font grandir l'Égypte et eux, ils vont grandir aussi avec l'Égypte. Thank you.